Docteur Fatima Touhabib, je suis gynécologue obstétricienne et je suis en même temps députée de la liste nationale des femmes. Donc mon ami Docteur Bakassoum m'a parlé de cette caravane et donc j'ai saisi l'occasion pour venir participer à ma manière au soulagement de la population de Bababié. Surtout que je me sens un peu de Bababié parce que j'ai fait de la politique ici et donc je connais pas mal de gens. Donc c'est avec plaisir que je participe à cette activité noble qui sert les populations les plus démunies. Quelles sont les maladies les plus fréquentes que vous avez constatées depuis ce matin? Comme d'habitude, il y a de tout. Il y a des consultations banales pour des infections. Il y a des consultations pour désir de grossesse. Il y a des consultations pour suivi de grossesse. Il y a des consultations plus ou moins un peu difficiles. Cas de suspect, par exemple, de maladies un peu malignes qu'on essaie d'évacuer et d'orienter à Nouakchott. Donc, j'ai déjà vu une patiente chez laquelle on suspecte quelque chose qu'on a orienté à Nouakchott pour une meilleure prise en charge. Honorable, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour votre patriotisme et Bababié, vous remercie. Vous êtes bon saison à Bababié. Yes. Merci. Comme nous doyons. Doyender Bababié comme parmi les grands notables ko ndinou baginde tan min yettal ay nela min yettal am ngulu fi et min yettal le maire de Bababié et min yettal le président docteur Bakassoum Gardido association Sukabeo et min yett Sukabe kadi ngeto et min mbiabe non yo be beyti Allah jarama be jarama be tinni ne be pori wadde ko be ponno wadde rutade e der leydi ndi waɗa hono ɗum ɗo wona hunde weɓno ɗum ɗo ko wallude laamu ngu ɗum ko goo ɗiɗi ko waynude kadi koye de dans le Brakna ɓe gari koye nder Brakna tati ɓe gari koye département de Bababié nayyi ɓe gari koye commune Bababié ɗum noon ene wayno commune o hanke ouverture o ɓe gari no ɓe foti addude ni maire o tawaka kono neli nelaɗo mum haali ko foti haalde e min jetti Allah noon min jetti laamu ngu no fewi e min jettiɓe kamɓe sukaɓeɓe yallah juuni ɗum ha juuta ɓe tinnima ɓe mbaɗi ko ponno wadde parce que darade adda leɗɗe ene walla miskineɓe ene walla yimɓe hande yimɓeɓe foof nanɗo dari ene dari ene gara en cafro alhamdoulillahi kala docteur porɗo ɓurɗo wonde ɗo docteur Baly Seyni en docteur professeur docteur Bale en docteur Bakassoum en e woɗɓe fo gari ɗo ɗum noon darani ko dokku o darani ko leydi ndi darani ko commune o darani ko wuuro ngo darani ko département Bababié ɗum noon Allah jarama on jarama emin gettaɓe kaadi gettoon yallah junɗum ha juutu yo Allah rokku ɗum ɓeydade mo wuuri waɗa ko ɓuuri ɗum moƴƴude waɗa ɗum ko ɓuuri bonde emin ñaagui Allah kadi yo Allah nawru leydi ndi yesso yallah waɗ deeƴal yallah waɗ moƴƴere emin getta mawɗo leydi ndi o so wonano ɗum préfet garɗo o so wonano préfet e maire e laamu ngu so ɗum ala ɗum waɗata ɗum noon min gettaɓe kaadi gettoon Allah jarama on jarama mi salmini bandiraɓe ɓe foof min mbiyatemi ko Aliou Sylla kono indam deftere ko Aboubacry Abdoulaye Sylla jeeyami ɗo e Bababié min calmini babanaɓe foof min calmini hono caméraman uji wiyeteɓe Bababié TV ɓe min beltanimi ɗumen hitande foof ko ni hen walla saaha foof ko ni hen machallah waɗi juɓɓudi e to banggue safaro noon min jii hen min juɓɓudi no fewi no waɗi fayida sumba ɓen ko Bababié hetti kelen alhamdulillahi rabbil alamin min beltima min dañi safara yimɓe amen cafrima machallah totereɓe arɓeɓe ha hen goor hittani hen goor ala caɗele alhamdulillahi rabbil alamin jetti Allah min jetti ba kaso min jetti doctereɓe kamɓe foof min jetti kala ɓiɗɗo babannaji kala ɓiɗɗo fullo wonɗo e Bababié min jetti ɗum yo Allah junngu sababu yo Allah kadi fofu sababu min beltima kaddi weltare kono kadi weltaretare cafriɓeɓe min beltimaɓɓeɓe mbayruɗo hoɗoɓe mbayruɗo sabu min belti e garagal mabɓe haydara kadi mankani ñamama harama alhamdulillah
لبي العالمين هيدر مكاني من جتي الله نفي من جتي كادي كلا بيت بكل كادي من جتي الحمد لله العالمين أنجارا كادي من بيتي الله جسلا ميري جام روي بابا لقال لي جاكا مرة سلمي باب الله محمد مريتة مكادي بابا kadi ko wadi ko wadi wuro go fuf ala hen fuf ko wasi moddi fuf de fe ma sha Allah amin nyatta kadi onan arbe do be kadi awna tafri yimbe be kadi yal hukum modon juude balde moddi batani Allah nyatta mun fe nyatta ka docteur be ne fe yal Allah wadi mem modjer yal juude balde moddi batani amin sallah wallahi merci beaucoup ndra mi salmino ay mi ko sidiki abdoulaye ba Donc, étudiant, master en pédagogie appliquée à la santé. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous avons une 4e édition. Nous avons une carrière. Une carrière d'activité. Nous avons une carrière d'activité. Nous avons une carrière d'activité. Nous avons une carrière d'activité. Besmu baba be fof rendi pour yubinde e wallonde safrorde au niveau de du département commune diwano fof ala ala faltore gil activité bon gil subaka min fuddi ma activité di presque ko 8h ko organisation et bon service aji di min kam koy koy côté de supervision gonmi organise yimbe be activité di dum ne hen wonno ko dum liggey no feewi surtout organisation yimbe kadi ha so organisation ala yimbe be mbawa safrade ne pour safrade parce que gilay bowal yimbe gor fof wasa tampude bowal taw sonari ne heba de consultation taw consultation de qualité quoi dum moy hen min goni pour yimbe be mbasa tampude mbasa loxati gongni ni musi ni heewi yimbe donc kono fof ne min hen pour wa gor fof yidi nat wal ko tikkeji en tikkeji mi dokkat kono non ne wadi won certain age woni neddo hadi tampirta wala neddo woni yettirto won duubi din ala ticket parce que dum sa distan kadi etay joom do tolni e age joom do tolni dum ne kadi on dum do min goni min yagi non dum gassare dow jam taw kadi ko woni anni o on objectif ko taw min baw yettare dum taw kadi population gor fof ne welti hen taw gor fof kadi ni berne mum ni buubi e safaro dum woni anni o ko dum woni fandare nde dum ne kadi ko enen fof dendi hen wona kadi docteurbe tan woni activité ji di parce docteur bol be baawa wadde activité ji di min tawi do yimbe besmu baba be jeune ji nan do dum wona docteurbe kono ko activité ji hebe jeya dum ne ko enen fof dendi hen kala hen mo yaltinani horum ko hen jeya donc ko won fof ballondiral pour tout le monde woni fof non wadde organisation wadde gardiw joyi do wara golle de bo ko docteur Bakassou dum ne kadi mo vraiment min félicite moy dum kadi min beltani moy dum parce que gardu ngol fof gilo woni président association machallah association ne yari hen yesu ne fi yari hen yesu bureau fof machallah ni liggi ñago Allah tan do diwano be mbawata organiser kala ko faare dum do gede baade ni ko yimbe fof dendi dum be mbasa yatirde hen caggal badde hen doole mum ni sohla badde hen jawdi mum ni sohla badde hen peeje mum ni sohla dum ko yimbe fof dendi hay gor ala paltor ala goddum e goddum donc aduna non yimbe wodata dum do ganda dum do ko yimbe fof njey yimbe njey fof badaten juude en badaten dolum en yara yeso developo ha objectif uji ba du fixé di fof yimbe baw yettade dum e dow jam en nyaako Allah tan yalla waran besnduuji min fof rendudi e ko rendudi anniyaji rendudi mijoji modji e gede developo di yimbe gele développeur yimbe développeur je rendo meden dum tan ko min ñagoro Allah vraiment onon ne kadi min beltinimi on to gumo activité ji baroji nokkuji fof so noddam on ngarat jubbi non dum no podon yubbi dir dum ni golle mon de kadi en fof ngide ko yaara yeso yalla bamtu golle de yalla bamtu gadi arsugaji di fo yaaj ha kadi gede de fo burodo yaaj burodo dum ne kadi vraiment min beltinimi on Oui, salam alaikum, Hawa Issa Wan, infirmière urgentiste service SAMI et urgence médicale de Nouakchott. Donc, je suis débuté à Cravano, Machallah. J'ai commencé à 8h30, Alhamdulillah, il y a beaucoup de spécialités et tout ça. Donc, prise en charge de l'état de l'enfant, Alhamdulillah. Et aussi, il y a un cadre à l'heure de demain, Inch'Allah.
emin nyago population de gara jango suba lo pour continuer le dépistage du site comment dire du diabète inchallah min jogi do diabétologue nando et tout ça donc min nyagi modon duaw e ballale tout ça ndiaram parce que suba xarna les patients quelles sont les maladies les plus donc min kam gonnomi ko service diabétologie ton gonnomi donc min badi dépistage machallah ne fait ne fait ne fait peut-être mataw ko sensibilisation manki e domaine diabéto yimbe ne ngara am bada dum en test tawani jogi 3 4 5 grammes mal suivi non suivi ga nganda gasa a wiat dum en ga ana matar wonde sukar walla da dum nanno sukar yorma kanyum anda ga taw réellement ko diabétique aussi koni kat mais non suivi ko problème kat aussi donc yimbe ne biya surtout les 6 âgés là ene biya so tawi comment dire balli mu en wonko manifestate tout ça yo nja on va la consultation dans les centres de santé et tout ça donc pour prise en charge ya wadete de tout ça ay suis ya boy sed wadat des complications et tout ça yene de taw ndani do jondion patient 5 grammes 6 grammes ne arde koyde mudum et tout ça mais ay dum don wima yihata ga et tout ça hankadi complications fuddi on nadde hen dum kadi aussi kadi ko tiadel donc on non nyaage so tawi tan on di male bade non et tout ça ngaron e centre de santé inchallah mbadon dépistage e fof di don OK merci bien so wadi yeur Abdoullah c'est docteur Babacar Ali Niane médecin dentiste je travaille à Nouakchott mais avant j'étais à Kahedi votre association m'a invité, moi et mes collègues, il y a le technicien supérieur Lo Alassane et Mohamed Mahmoud, celui qui est à Bababé. Depuis le matin, la plupart des patients que nous recevons ici, ce ne sont pas des urgences, mais c'est des négligences. Parce qu'il y a des gens qui traînent avec des lésions qui sont chroniques. Et ce qu'on peut faire pour eux maintenant ici, c'est juste des extractions. Ça, ce n'est pas voulu. Nous, notre métier, ce n'est pas juste de faire des extractions, c'est de sensibiliser la population et les informer. Ils doivent assurer une bonne hygiène. Parce que là-dedans, on peut la traiter facilement. Quand vous maintenez une très bonne hygiène, matin, midi et soir, que vous vous brossez, il y a beaucoup de lésions qui ne vont pas vous arriver. Les consultations doivent être semestrielles. Chaque 2 mois, vous devez voir un chirurgien dentiste. Depuis qu'on est là, on a fait pas mal d'extractions, tout ce qu'on peut faire ici, des extractions. Et les gens qui ont des lésions qu'on peut conserver, on les a orientés soit à Kahedi, parce qu'ici, vous avez un fauteuil qui ne travaille pas, ça je le parle. J'invite les autorités à se mobiliser pour rendre le service fonctionnel. Et les instruments encore ne sont pas suffisants, on est obligé d'arrêter chaque instant pour les stériliser. Ce que j'avais à dire et je vous remercie. Ce n'est pas ma première fois, j'étais là la fois passée. Je suis très content d'être parmi vous. Inch'Allah, la prochaine, on va essayer d'améliorer. Docteur Baba, je vous remercie pour voilà, ça. Même, merci moi aussi, je vous remercie. Merci. Merci. Assalamu alaikum bandiraɓe salminiɓe mon kala inde mum yettode mum min mbiyeteni ko Oumar Amadou sal ɓurɗadirede Amba Thiam komin firmi diplomé d'état ɗo woni ɗon ko petit chirurgie woni kaddingol sukaɓe guila subaka koye ɗum ɗon min goni min pecci e nder sal goto walla e saluji ɗiɗi min mbaɗi fodde tabluji jeegom sukaɓe ne mbaɗi ran go fof gar fof hokketo numéro muɗum kadi ko rend bien respecté ala wallude ala désordre machallah gueɗe ɗe ene jaari yesso et ça avance emin damini emin jogui cible de pour wawde haddinde wiye sukaɓe temedere sukaɓe temedere anda exactement ɗo chiffre ɗo numéro ji jarata pour le moment mais kam wona felo le minimum je crois bien que si mi jetta 50 mi goddo yidon son kadri boron gelle service message pour le civi
et pour le suivi ko essentiel ko yumirabe be wala jinnabe ko balla ba do wondude ci ko lengel fof yo topiro labal ci ko lengel o topiro jow ci lengel kete ha wasa ngañaade wasa yaade ni di wayene ngabu yaayen ci jontiri mo ton ko won tan ko ñawande hesere be dara ko cadel donc il faut ko be ndento dum don so labal ngal tan topiram e jom fiddani ja jontiri en du watta cadel do don selal service est gratuit e o kadi ko ala njobdi ala njobdi mon nen ko nyaldi safar nyaldi safara baba dum journée consultation médicale gratuite fuddi ko hanki hono cérémonie d'ouverture hande jango donc fof ala ko yobote na mbudu yobata fof gratuite ko sabo Allah wadila o association personnel de baba bi ki wad dum chaque dubi fof association wi APSB association de professionnels de santé de baba bi mbadas o caravane chaque 2 ans e o kedidu fof jarli fi den wada hen buudu mum e wada hen dole mum jeyabe baba be mum jeyaka baba kadi caravane o wana tan pour baba nabe no wada rako mauritanie wala biddo jullo fof gar bawdo bendi bawdo danji hen fartangi e bi hen safar fof kanyum wadana ala kari ala paltor ala heedi heeda yim fof ndendi gar fof Je vous remercie pour votre disponibilité. Merci. C'est bon. Salam alaikum, monsieur le préfet. Quelles sont vos impressions de cette caravane médicale organisée par l'association des professionnels de santé de Baba? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu alayhi wa sallam. Ana hakim muqata'at Baba Bay. Ashkur mehniyin as-sihha wa al-mudir al-jawi ala al-juhud al-jabara li bidil. من خلال هذه القافلة الطبية اللي تبرهن على نضج ووعي الفاعلين الصحيين بأهمية تقديم خدمات مجانية للمواطنين في أحسن ظروف وتعاطف معهم وآزرتهم ومواكبتهم وهذا عمل يذكر فيشكر والسلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله من الدكتور باكاسوم سالمنيون سالمني حاكم ديبيتي اوتوريتي دي وندو دوين سيكوريتي اي بروفيسيونيل دو سانتي دو بابد سي اون غران كان ميم سولاجمان دو voir le hakim venir visiter avec les députés voir le déroulement de cette activité qui dure 3 jours le 29 30 31 consultation médicale gratuite avec toutes les spécialités confondues organisée par l'association des professionnels de santé de Baba Bay au profit des populations de la Moukata en particulier dans toute la wilaya en général qui vient aussi de l'autre côté du fleuve qui viennent bénéficier des prestations des consultations médicales et distribution des médicaments gratuits et aussi des consignes parce que vraisemblablement on donne aussi des conseils des orientations pour aussi aller se faire soigner convenablement. Vous voyez que l'équipe médicale s'est déplacée vers la population. Au lieu que la population ait des difficultés à se déplacer vers les grands centres urbains, ils viennent fournir les prestations sur place à moindre coût, gratuitement. Donc voilà, on espère qu'on continue cette activité dans les années à venir. Vous en êtes dans la quatrième édition. On est dans la quatrième édition, effectivement. La particularité de la journée en termes de spécialités, est-ce que les spécialités ont augmenté? Mashallah, on a toujours, à chaque année, on a des spécialités qui augmentent. Cette fois-ci, on a même les spécialités de neuropsychiatrie qu'on n'a pas eu à avoir ça. Et aussi la dermatologie, qui vraiment, on avait des techniciens qui venaient, mais maintenant, on a des grands professeurs qui viennent nous appuyer dans ce sens. Et la gynécologie, la chirurgie dentaire qui est là-bas de l'autre côté, on va aller là-bas voir aussi au centre hospitalier. Merci. Un mot à l'endroit des autorités représentées ici par Ah bon, l'endroit ici, les autorités, c'est dans un pied. Parce que sans les autorités, on ne peut pas faire quelque chose. Il faut d'abord se concerter avec les autorités. Aussi, c'est eux qui sont le niveau local, c'est eux qui sont les administrés. Et nous sommes fait partie de l'administré. Donc, on est obligé de passer par eux pour pouvoir réussir l'activité. Merci. Enfin, so wadama tan ma wadna wa. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kuliba.
on salminama on juulama on ñaganama Allah moƴƴe kadi ko weltade tan e grangal autorité ji men machallah kadi be appine fe kadi be facility so be bam nan ala ko bawden wadde donc emi ñago Allah tan yo dum beydo kadi ono di president APSB na fof en ngadi wadde mon soutenir kadi dum belti kadi emi ngidi wadde kadi ko buri dum inshallah donc merci beaucoup on fo chat Donc moi, comme je le disais tantôt, je suis ici en tant que membre de l'association des professionnels de santé de Bababé et présidée par M. Dr Bakassoum avec ma sœur la députée et les autres collègues qui sont là, qui sont en train de, actuellement, qui sont dans les salles de, au niveau de disons, des consultations et autres. Et cette action est une action que nous menons, que l'association mène depuis quelques années, et elle consiste à des consultations, à des analyses et bien sûr avec des échographies, avec donc aussi distribuer des médicaments pour les personnes nécessiteuses dans cette région. Et je trouve que c'est une obligation de tout Mauritanien d'aider ses prochains. Et cette année, comme que vous me demandez mon impression cette année, je trouve que l'affluence est une affluence importante déjà, ce qui renforce en nous, disons, la volonté de continuer cette action et de travailler pour, même comme je l'ai dit tantôt, de l'étendre vers d'autres départements et peut-être vers d'autres wilayas de la Mauritanie. Et je suis vraiment impressionné par le travail qui a été mené par ici par les responsables et les soutiens de cette association. Et je tiens ici à remercier tout au nom du président, toutes les personnes physiques ou morales qui ont aidé à ce que cette caravane vienne à Babébé et qu'on soit là entre nos frères. Salam alaikum wa rahmatullah. En tant que président et membre de l'association, et d'une voix autorisée, oui. Quel plaidoyer avez-vous auprès des autorités compétentes pour renforcer le plan médical de l'hôpital de Babébé? Je trouve que nous sommes la région du Brakna comme les autres régions. C'est une, de façon générale, c'est une région où il y a beaucoup d'infrastructures, des hôpitaux. Quand vous parlez par exemple d'ici à moins de 60 km, vous avez l'hôpital de Bogué qui est un très très grand hôpital. Vous avez aussi l'hôpital d'Aleg, vous avez aussi l'hôpital où il y a beaucoup de spécialistes au niveau de Kayedi. Donc je crois bien que la vallée, à la Baraka, parce que vu son territoire qui n'est pas très, très vaste, donc elle a la chance d'avoir des hôpitaux partout. Mais je sais que ces hôpitaux ont besoin aussi d'être renforcés toujours, comme toute le structure de santé. Et je sais que le ministère de la Santé, depuis 2019 jusqu'à maintenant, ce qui a été investi dans la santé, c'est vraiment extraordinaire. Et tant au niveau des infrastructures qu'au niveau des moyens techniques. Et surtout des recrutements des médecins, et bien sûr des personnels de santé de façon générale. Et je sais que Babébé, obligatoirement, jouit d'une particularité au niveau de la région, vu la situation d'Ilao, importante pour. C'est une région centrale de la Mauritanie et qui est en face aussi de l'autre côté de nos frères sénégalais. On doit vraiment renforcer cette région qui est là. Quand je parle de région, c'est pas une région autonome, mais on dit le Laou, le Oise, c'est un espace important. Et donc je vous remercie. Comment tu sens, bébé? Monsieur le ministre, docteur Abébé. Ensemble, bébé. Monsieur le ministre, quoi qu'il s'en va, vous avez caravane, papa, bébé, du coup. Monsieur le ministre, net.
Ambassador Mali Gabo 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 Gab